Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se révèle à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, aux fruits sauvages. Une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle qui se matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci. Tu comprends, on ne peut pas écrire dans ce vacarme qui emplit tout depuis une semaine. Je regarde l'avenir éclater dans les yeux. Il n'est vraiment pas possible d'écrire. Il faut savoir longtemps marcher dans un Paris inquiet pour le comprendre. Être entré partout. Avoir avalé tous les mots dans les amphithéâtres. Lu tous les graffitis, les professions de foi et les proclamations. Avoir parlé avec n'importe qui dans la rue. Dormi à peine. Par le temps prié dans les cortèges. Manqué d'argent avec les autres. Partager une demi-baguette de pain et du chocolat. Tu te souviens, il y a aussi la musique. Est-ce un hasard? Partout du Chopin sur les pianos. Cette musique romantique, ils croient, les autres, qu'il s'agit d'une kermesse à disperser sous une pluie. Moi, je sais qu'on ne doit surtout pas s'endormir à ce moment précis où la nuit se retire. Sous peine de manquer le rendez-vous de l'aube, la vie toujours en marche, jamais fatiguée.